Précédemment dans Otage d'amour. Comment tu as fait pour entrer en possession de ce duplicata de leur acte de mariage? J'ai appris la nouvelle, j'en étais surprise. Et quand je me suis rendu compte que c'est vrai, il fallait que je t'apporte les preuves. Sortir Roland du pétrin est notre souci, tout comme retirer Sylvie des griffes de Mustapha. Qui a mis Sylvie dans les griffes de Mustapha si ce n'est lui? Il ne l'a certainement pas fait pour rien. Arrêtez de m'embrouiller, ok? De toutes les façons, je ne partirai pas d'ici sans mon argent. Ton ami Jacques est arrivé et a tenu à t'attendre. Maman, comment tu peux faire asseoir un inconnu dans cette maison au point de sympathiser avec lui? Il est sympa comme tu le dis et c'est tout. Arrange-toi à rembourser la dot que j'ai prise en tandem de père de Roland. Tiens, voici le chèque de 2 millions de francs pour la dot de Sylvie. Non, papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, 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 si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis, il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Tu peux t'appeler ma reine. En tout cas, tu l'es déjà. Ton père vient lui-même de me donner sa bénédiction. Ouais. Mon père vient de te donner sa bénédiction. Eh bien, c'est super. Tu sais, je t'aime, Sylvie. Je suis prêt à accueillir la lune pour toi et pour notre couple. Sauf que ce couple n'existe que seulement et uniquement dans ta petite tête. Ne l'oublie pas. Comment tu continues à camper sur tes positions malgré tout ce que ton père a dit ici? Nous sommes désormais un couple reconnu devant les tiens, devant l'administration. Chérie, tu dois comprendre que tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Pourquoi tu es si têtu? Tout ce que tu chantes là ne marchera pas. Tu veux même faire ta vie avec qui? Il n'y a pas une femme de ton calibre là-bas dehors? Je ne suis pas ta femme. Tu comprends ça? Tu veux que je te le dise en quelle langue, monsieur? Hein? Quelle langue? Je t'aime chaque fois que je découvre ton joli corps. Tes yeux attirants. Tes lèvres suaves. Je suis fou de toi, ma reine. Par contre, moi, je ne t'aime pas. Reine, reine, mon œil.
tu es si dur avec moi alors que tu es désormais ma propriété. Tu vis dans ma propriété. Et je peux faire de toi tout ce que je veux. Tout ce que je te demande, c'est de coopérer. Je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais malgré l'acte de mariage qui nous lie. Et la dot que tu as malheureusement payée. Je veux juste que tu saches que je détiens les papiers légaux des avoirs de mon mari. Et comme tu le sais très bien, je suis sa seule veuve. Donc, tout ça m'appartient. Avec ça, nous serons hyper riches. Et nous allons vivre très heureux, bébé. Comment veux-tu que je sois en paix avec moi? Sachant que de l'autre côté, il y a une fille qui a le cœur transpercé. Sylvie, que tu dis aimer tous les jours, s'est mariée officiellement avec l'avocat Mustapha. Est-ce qu'elle a au moins attendu un signe d'amour et d'espoir? Non. Elle t'a remplacé le même jour. Je dis bien le même jour. Regarde la date de l'établissement de leur acte de mariage. Tu es quand même une très belle femme, Medima. Tu as les formes. Tu as le pognon. C'est une très bonne affaire. Oh mon Dieu. Ces moments m'ont manqué beaucoup, chérie. Bébé, c'est toi qui me fuis. Pourtant, je suis là pour toi. Oh, toi aussi. J'étais très occupé, toi tu le sais. Oh, okay. Quelle douceur de main. Tu es exceptionnelle, chérie. Merci. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je vais récupérer pour tout le reste du temps perdu. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. C'est accumulé là. Je vais te donner ça. Allez. Occupe-toi de moi, chérie. J'aime bien ça. Oh, il peut boire au moins. Oh, chérie, tu t'occupes de moi, ça c'est bien. Enlève aussi ça. On peut faire de la mousse, enlever les habits. Mais, chérie. Comment ta blessure a vite cicatrisé comme ça? On dirait qu'il n'y a jamais rien eu là. En fait, j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour obtenir ce résultat. Hein. Moi-même, je suis surpris que ça a disparu. Mais il faut avouer que la médecine a évolué. Oh! Non, les gars sont forts. Je te dis, je suis étonné. Oh! Okay. Oh. Mais en même temps, on aurait dû te laisser te reposer. Tu as subi un grand choc. Et ça mérite qu'on te laisse respirer. Qu'est-ce que tu veux? J'ai introduit mon dossier et ça doit prendre du temps pour aboutir. Mmh. En attendant, viens dans mes bras, chérie. Oh, mon bébé d'amour. Thank you.
Tu as oublié que tu ne dois pas sortir d'ici? Allez, descends. Descends! Descends d'ici! Ne me touche pas! Descends! Lâche-moi! Allez! Lâche-moi! Salopard! Lâche-moi! Salopard! Idiot! Lâche-moi! J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas te foutre de moi. Serre-moi directement, s'il te plaît. D'accord, chérie. Comme tu constates, j'ai fait ton goût préféré. Je l'ai fait assaisonner comme tu ne peux l'imaginer. Ce merveilleux repas. C'est à moi de te dire merci de manger avec autant d'appétit. S'il te plaît, je peux avoir les fourchettes. Bonjour, Camden. Bonjour. Monsieur Martin. Ouais. J'espère que tu n'es pas venu me faire changer d'avis. Parce que j'ai été très clair. Camden, fais-moi au moins m'asseoir. C'est comment? Hein? Je ne t'ai pas connu comme ça, mon ami. Le jour où tu venais chez moi demander la main de ma fille pour ton fils, j'ai vu en toi un homme raisonnable. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à accepter. Mais par contre, ton fils là, j'ai toujours douté de lui. Tu oses venir insulter mon fils? Hein? Alors que j'attends que tu me rembourses tout ce que j'ai dépensé pour ce foutu mariage? Voilà tout ce que tu as dépensé comme dot. Tu n'auras plus de raison de venir vomir ta saleté dans ma cour. C'est donc vrai ce que je pensais de toi? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, Martin? C'est ce que tu voulais, non? Hein? Tu as tenu à ce que je te rembourse la dot. Maintenant, c'est fait. Tu veux encore quoi? Tu ne voulais pas de mon fils comme mari pour ta fille. Pourquoi avoir accepté, sachant que mon fils serait dans des problèmes? Voyons. Ne parle pas comme si je suis responsable de ce qui arrive à ton fils. Hein? J'ai douté de lui au départ, mais après, j'ai changé d'avis. J'étais même fier de lui donner ma fille. Malheureusement, toi et moi, nous sommes tombés dans le piège de Mustapha. Heureusement que nous deux, nous avons récupéré la dot.
Comment nous deux, nous avons récupéré la dot? Ça veut dire quoi? Ben, n'ayant plus aucun pognon et rien de tout ce que tu avais donné, je suis allé obliger Mustapha de me verser la dot, puisqu'il a ma fille avec lui et je ne sais pas comment je vais la sortir de ses griffes. Et aussi, tu ne cessais de me rabâcher les oreilles. Alors, je n'avais plus de choix. Je peux m'asseoir au moins maintenant? Non. Je dis non. Rentre chez toi. S'il vous plaît, madame. Oui, monsieur. Oui, vous êtes du quartier? Oui, je suis du quartier, monsieur. Je suis Ekoundé Georges, notaire. Je cherche Ndomé. Vous la connaissez? La fille du défunt épée-major. Ah oui, la pauvre vit chez sa tante. Super. Vous avez leur adresse, un contact? Malheureusement, je n'en ai aucun. Un souci, monsieur? Oui. Il faut absolument que je la trouve. Ça fait longtemps que je la cherche. Est-ce qu'elle passe souvent par ici? Oui, mais très rarement. Bon, voici ma carte. Si jamais elle passe par ici, remettez-lui ça. Ok, sans souci, monsieur. Et je vous remercie pour votre collaboration. Je vous en prie, monsieur. Passez une très bonne journée. Vous... Non, mais elle avait l'intention de le faire. Au moment où elle tentait d'escalader la barrière, je suis arrivé net. Patron, madame est courageuse, hein? Tu as fait du bon boulot, Kata. Hein? Continue à être vigilant comme ça. Hein? D'accord, patron. Et elle est où? C'est moi que tu cherches. Puisque monsieur est là, je dois sortir d'ici de cri ou de force. Chérie, je suis très heureuse aujourd'hui. Tu sais, voilà des semaines que je suis en manque de ta chaleur. Mon amour, tu es l'unique homme de ma vie qui m'a fait vibrer. L'unique. Bébé,
Si tu me quittes, je mourrai. Tu es ma raison de vivre. Je t'aime, Roland. Moi aussi je t'aime, Dima. Prochainement dans Otage d'amour. Tu prends la dot que mon fils est où? C'est l'argent qui t'intéresse, n'est-ce pas? Ramenez-moi mon fils, remets-moi mon enfant, remets-moi mon fils. Parce qu'à mon niveau, je n'ai reçu aucune information de mon patron de laisser les gens entrer. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. S'il est là, voyez s'il peut nous recevoir. Comment comprendre qu'un maire prend sur lui l'engagement de changer le nom sur l'acte de mariage sans le consentement de la famille? Ta fille est prise en otage, au lieu d'agir, tu m'écris dessus. La boucle, ok? Oh. Ok, mon commandant. Je boucle. Mais je saurais que tu es un vrai commandant quand ma fille reviendra ici. Ce misérable me tient en otage depuis la cérémonie. Okay. Hé, hey, jeune gens, sortez. Partez d'ici, ne mettez plus jamais les pieds. Ne me laisse pas. Sans toi, je suis inconsolable. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi.